cette diapo-là, vous allez voir, c'est pour moi la diapo la plus importante finalement de ces deux jours-là. Elle est pas, on ne va pas rester dessus très longtemps là parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais on va y revenir tout le temps. Parce qu'en fait, la capacité de la plante à stocker, à utiliser ses réserves, c'est sa capacité à lutter contre toutes sortes d'aléas, c'est sa capacité à permettre d'avoir une viticulture la plus homogène et la plus régulière possible. C'est-à-dire que la plante, pour pouvoir... on est dans l'hémisphère nord et on a 6 mois d'hiver et 6 mois d'été, en gros. On a 6 mois où on a de la végétation et 6 mois où on n'a pas de végétation. Et donc, quand on n'a pas de végétation, la plante, il faut bien qu'elle puisse stocker de l'énergie de manière à pouvoir redémarrer au printemps jusqu'à ce que cette végétation soit suffisamment dynamique pour relancer un processus de fabrication d'énergie. Donc, elle n'a rien trouvé de mieux que de stocker des réserves dans son bois. Donc, elle stocke ses réserves, on l'a vu tout à l'heure, on le voit dans le petit serment, dans les rayons médulaires. Les rayons médulaires qui sont ces rayons-là, ligneux, qui ont aussi un rôle mécanique. Ces réserves, elles ont plein de fonctions. Elles ont une fonction qui permet la résistance au gel de la plante l'hiver. Donc imaginez qu'une plante l'hiver, elle se retrouve quand même chargée d'eau et il peut faire moins 10 dehors et elle ne gèle pas. C'est quoi son système? Elle arrive à pas geler alors qu'elle est à moins 10 degrés. C'est complètement fou. Et donc, elle va, pour ça, utiliser et hydrolyser. Donc, en fait, ces réserves, je ne l'ai pas dit, elles sont stockées sous forme d'amidon. C'est-à-dire qu'elle va stocker ces réserves sous forme d'un sucre qui est extrêmement complexe, qui est l'amidon. En fait, on pourrait d'ailleurs le regarder, l'amidon. On peut arriver à l'observer, cet amidon-là, avec ce que l'on appelle de l'eau iodée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est peut-être un peu loin pour certains, mais quand on mettait de l'eau iodée sur du pain en classe, tout d'un coup, il devenait bleu. On faisait la même chose sur des patates, ça devenait bleu. Et donc, ce qu'on cherchait à voir, c'était l'amidon contenu dans la plante. On va pouvoir s'amuser à en foutre un peu sur le sarment, là, et voir petit à petit la réaction qu'il a. J'ai volé à Marie-Pierre ce matin un sarment de sémillon. Je crois pas. J'en sais rien en même temps. C'est pour voir si Marie-Pierre fait des réserves. Marie-Pierre, oui. J'ai l'impression que c'est pas tout le temps qu'elle en fait. Alors attends. Ça, c'est quand même pas mal. Je mets de l'eau iodée dessus et j'attends voir si j'ai une réaction. Cette réaction-là va être un bleuissement des tissus. C'est un peu moins évident sur les vaisseaux comme ça, puisque forcément, ils sont ouverts et ça a tendance à circuler. Bon, j'en mets, on attend un peu, on en reparle tout à l'heure. En même temps, ce système-là avec l'eau iodée, c'était la méthode la plus utilisée par les pépiniéristes quand ils voulaient savoir si les sarments qu'ils utilisaient pour le greffage étaient suffisamment pourvu en réserve pour redémarrer correctement l'année d'après. Bon, on a une année complexe. Comme on a eu du gel, la mise en réserve, elle a été bouleversée. Vous allez voir, ça a une implication, cette diapo a une implication gigantesque sur la viticulture. Donc, on se retrouve l'hiver, il fait moins 10 et on a des réserves sous forme d'amidon. La plante hydrolyse ses réserves, c'est-à-dire qu'elle va la retransformer en liquide, elle va transformer cet amidon en sucre et donc la sève va se charger de sucre. Et ce sucre-là va faire comme une espèce d'antigel dans la plante et empêcher la plante de geler. Vous en connaissez une plante qui utilise ses réserves et que l'on utilise en agriculture et au petit déjeuner le matin d'ailleurs pour ne pas geler, une plante qui fabrique énormément de sucre grâce à ses réserves. Le blé ? Non, pas le blé. Le blé, il n'y en a pas l'hiver. Hein ? L'érable à sucre, le sirop d'érable. Le sirop d'érable, c'est un sirop. Pas ici. Ouais, vous n'en avez pas ici. Vous n'en avez pas ici. Mais on pourrait, mais difficilement. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. C'est ça qui est vraiment très intéressant. On pourrait, mais difficilement. Pourquoi ça fonctionne bien, hein ? Le boulot, c'est différent, mais certaines fois, la sève est sucrée.
Mais on pourrait sur le boulot certaines fois. Mais ça marche super bien au Canada. Ça marche super bien au Canada, non seulement parce que l'érable fait beaucoup de sucre, mais aussi parce qu'il fait super froid la nuit. Il fait super froid la nuit et aussi positif le jour. Donc on arrive à récupérer de l'énergie de ces érables-là parce que la nuit, il fait moins 20 et que le jour, il fait plus 5 avec le soleil. C'est pour ça qu'on arrive à récupérer leur énergie. Parce que la nuit, il fait moins 20, ils vont hydrolyser la réserve pour ne pas geler. On arrive le matin, on les saigne. Et tout d'un coup, il y a le soleil, il y a les pleurs qui se mettent en place, parce que finalement, c'est les pleurs hein, qui sont récupérées dans le sirop d'érable. Et donc, on va attraper cette sève-là qui est chargée en sucre pour ne pas geler. Il suffira plus que d'évaporer l'eau et on se retrouve avec du sirop d'érable. C'est à l'INRA de Montpellier là, qu'on m'a expliqué tout ça, de Clermont-Ferrand, qu'on m'a expliqué tout ça. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Parce que ça m'a permis de comprendre pourquoi les Canadiens arrivaient super bien à utiliser le BRF pour stimuler les champignons mycorhiziens et pourquoi nous en France, quand on essaie, on n'a pas ces réactions hyper dynamiques sur le BRF. Les mycorhizes, elles ont besoin de quoi pour se développer? Je disais tout à l'heure. Les racines. Les racines, mais dans les racines, c'est quoi que la plante fournit? Des sucres. Ouais, du sirop, comme tu dis, du sucre. En fait, les mycorhizes sont dépendantes du sucre pour pouvoir arriver à fonctionner. Et donc, quand on pulvérise au Canada du bois broyé l'hiver et qu'il a fait froid la nuit et qu'on pulvérise du bois, on pulvérise du bois qui est chargé de sucre. Et donc, les mycorhizes, elles se retrouvent avec ce bois sucré sur le sol et elles peuvent se développer. Ça stimule leur développement puisque les autres champignons, le sucre, c'est pas spécialement leur tasse de thé, c'est pas ça qui les intéresse. Hein, c'est la dégradation de la lignine. Les mycorhizes, elles, vont se mettre à absorber ce sucre-là, décomposer en même temps la matière, et on va avoir une explosion des champignons mycorhiziens. Alors que chez nous, quand on le met, on a une explosion des champignons... Bah oui, mais ça profite. On n'a pas spécialement de champignons mycorhiziens. On a des champignons, mais des ça profite. Donc, ici, comme il ne fait pas assez froid, quand on met du BRF sur le sol, on fabrique de l'humus stable, et on fabrique, en quelque part, du sol. Mais pas de la nutrition directement et on permet pas directement aux plantes de se connecter au sol davantage. Et c'est une histoire de vitesse. Il faudrait pulvériser du sucre, c'est ce que tu dis. Mais il faudrait aussi qu'elles aient de quoi manger, les mycorhizes. Mais en tout cas, c'est bien en quelque part le sucre qui est intéressant. Mais pour pulvériser du sucre, vous avez une autre stratégie, hein. Il suffit juste d'avoir des plantes qui fabriquent de la sève élaborée. Plus vos plantes vont fabriquer la sève élaborée, plus les mycorhizes vont chercher à se développer, à se connecter à vos racines. Pourquoi vous luttez contre l'enherbement? Ben parce que les graminées, elles sont balèzes pour fabriquer du sucre. Et donc tous les micro-organismes du sol, ils préfèrent se fixer sur une graminée qui leur fournit du sucre hyper facilement que d'aller sur une plante qui est un peu moribonde et qui a du mal à démarrer et que tous les printemps, on a tout enlevé. Vous comprenez? C'est un peu compliqué. Donc ça fonctionne bien, mais en deux temps. Et donc du coup, on a du mal à connecter la plante au sol parce qu'il y a une concurrence forte hydrique et d'alimentation entre le système racinaire des plantes non pérennes et les systèmes racinaires des plantes pérennes. Et c'est cette concurrence-là qui fait qu'on a du mal. Il y a des gens qui travaillent en enherbement total depuis très longtemps et qui arrivent à finir par équilibrer et faire en sorte que les racines des deux strates arrivent à cohabiter et que leurs plantes arrivent à fonctionner. Il y en a. Sans arroser. Dans les Pyrénées-Orientales, sans arroser. En fait, le système racinaire de la vigne vient en surface dans les mêmes horizons. De toute façon, le système racinaire de la vigne vient en surface. La plupart de l'alimentation du système racinaire chez la vigne, c'est en surface. Hein. Elle met quelques racines en profondeur hein, pour arriver à attraper de l'humidité quand elle a des problèmes. Mais malgré tout, qu'est-ce que mangent les plantes? C'est quoi le système de nutrition des plantes? C'est les acides humiques. Donc les acides humiques, ils percolent dans le sol. Les racines, elles vont là où les acides humiques percolent. Elles vont pas... alors c'est forcément, s'il y a des acides humiques qui arrivent à descendre parce qu'on a beaucoup de perméabilité, la plante va rentrer davantage. Et c'est ça l'idée, finalement, de la viticulture biologique. Hein, c'est là où on a un enracinement meilleur. Mais malgré tout, c'est cette perméabilité qui permet aux racines de descendre. Mais les racines, elles vont là où c'est possible d'aller. C'est les vers de terre qui creusent les galeries
Et après, les racines rentrent dans ces galeries. C'est comme ça plus que ça fonctionne, plutôt qu'une percée de ces racines-là. C'est sûr, on trouve des racines dans le gouffre de Padirac. On trouve des racines dans le gouffre de Padirac. Mais on est dans un sol karstique. On est dans un sol qui est fissuré, des roches fissurées, où tous les acides humiques descendent, prennent la fissure et descendent jusque dans le gouffre de Padirac. Donc la plante, elle a quoi? Elle a de l'air, elle a de la substance nutritive, et donc elle développe sa racine jusque dans le gouffre de Padirac. Actuellement, quand je fais des profils littoraux, en fait, on a expliqué ça là, récemment, au niveau des racines, vous avez quand même des acides uniques qui descendent par toutes les racines mortes. Par les racines elles-mêmes. Par les racines elles-mêmes, et le développement de ces racines qui sont profondes, ou importe, qui dépérissent plus ou moins, en dépérissant, on peut rajouter à la fois des acides humiques, mais en même temps, ce sont des faisceaux, enfin des conduits de l'eau qui amènent les acides humiques superficiels en profondeur. Mais ça, c'est davantage le boulot des vers de terre et de la décomposition des matières. Il faut lire les travaux de Marcel Boucher là-dessus. Il disait que même sur les plateaux calcaires où on voit qu'on a que du caillou, justement, en fait, les vers de terre, il y en a beaucoup parce qu'en fait, ils sont connectés. Les cailloux sont connectés entre eux, ça crée une perméabilité qui permet une vie microbienne qui est beaucoup plus intense que ce que l'on pense. Je vous encourage du coup à utiliser le site du coup de Vers de Terre Production. Ces messieurs-là qui sont en train de filmer là ont filmé aussi quelqu'un qui s'appelle Marcel Boucher, qui a travaillé pendant toute sa vie pour l'INRA et qui a fait des recherches sur les vers de terre, et donc qui exprime vraiment très très bien ce truc-là. Il a fait un livre là, bon, qui est relativement indigeste, c'est compliqué de le lire. Moi j'ai lu quelques passages, plusieurs passages à plusieurs endroits, mais c'est quand même assez indigeste. Et par contre, il y a une interview de Marcel Boucher, interrogé par Alain Canet d'Arbres et Paysages. Là, c'est vraiment hyper intéressant de l'écouter parce que ça permet de comprendre pourquoi on ne les trouve pas. Hein, parce qu'en fait, ils sont hyper peureux. Jamais ils sortent la journée, par exemple. Ils ne sortent pas la journée, ils ne peuvent pas. Parce que s'ils sortent, ils sont mangés par les oiseaux. Et c'est pour ça qu'ils sortent la nuit et que les oiseaux, la nuit, ont capté le truc et qu'ils viennent choper les vers de terre. Bon. L'idée, c'est que de se dire que les racines, pour qu'elles puissent aller plus profond, il faut qu'il y ait de l'air dans le sol. S'il y a de l'air, elles peuvent y aller. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si vous mettez une racine et qu'après il n'y a plus d'air, cette racine ne va pas être décomposée par les micro-organismes du sol, puisque les micro-organismes, pour décomposer la matière, ont besoin d'air. Si vous mettez une matière végétale dans de l'argile hydromorphe où il n'y a pas d'air, elle ne se décompose pas. Elle va un peu pourrir, mais hyper lentement, elle mettra peut-être 4 ou 5 000 ans avant de se décomposer totalement. Et donc, elle va devenir complètement stable. Alors que si on avait de l'air, on relancerait cette activité-là. Donc, la plupart du temps, j'observe des choses, c'est que dès qu'on a une couche d'argile, il ne se passe plus rien, quoi. Ça ne peut plus y aller, ça ne peut plus descendre. C'est très compliqué pour les plantes de descendre et de traverser cette couche d'argile-là. L'engrais numéro un dans le sol, c'est l'air. Mais ce n'est pas un engrais direct, c'est la capacité des micro-organismes à stimuler la vie du sol qui fait qu'avec l'air, on arrive à avoir des éléments nutritifs. Sur ces réserves-là, parce qu'on est parti de loin, là, je ne sais pas d'où on vient, mais... Ouais, on est parti du BRF. Ouais. Mais c'est intéressant cette idée de BRF là, parce que ça nous permet de comprendre que on fait des recettes des fois de manière un peu abrupte, hein, et ça peut desservir quelque chose qui est hyper intéressant, quoi. C'est-à-dire que le BRF, il est intéressant chez nous, mais il n'est pas intéressant pour les mêmes raisons que qu'il pourrait être intéressant s'il gelait très fort l'hiver chez nous, hein. Alors je sais pas comment faudra interpréter la chose, mais il vaudrait mieux broyer le BRF quand il fait très froid l'hiver, en quelque part. C'est ça que ça veut dire. Parce que moi, je comprenais pas trop cette idée de 7 cm de diamètre, de dire fin d'azote, mais il faut broyer l'hiver. Broyer l'hiver, fin d'azote, moi, je comprends pas. Autant broyer quand il y a des feuilles. Si on broie quand il y a des feuilles, on a des matières azotées directes quand ça se décompose avec les feuilles. Donc, on risque d'avoir un peu moins de fin d'azote. Moi, pour moi, c'était plus logique de se dire on broie avec les feuilles, du coup. Vous comprenez ma réaction? J'arrivais pas à intellectualiser ce système-là, de broyer l'hiver des branches de faible diamètre, mais pour quelle raison en fait? J'arrivais pas à comprendre. Ça m'a permis de comprendre grâce à
Hervé Cochard à l'INRA de Clermont-Ferrand, ou Pierre Cruzia en fait. Pierre Cruzia, c'est un vieux monsieur qui est à la retraite maintenant, qui a fait énormément de recherches sur l'eau dans la plante. On en reparlera de l'eau dans la plante. Toutes ces réserves-là, on va le voir, elles dépendent de plein de choses. Elles dépendent de plein de choses et c'est cette interprétation de savoir s'il y a des réserves ou pas dans la plante, ça va nous permettre de faire des choix sur notre taille.